l'actualité. L'actualité, c'est quoi? C'est l'installation de Garry Conille comme premier ministre et également gouvernement Lan, Jean Saté Privoy, hier mercredi 12 juin 2024. Là. Nous connaissons moi-même depuis ce côté l'État a fait gros événement. Nous toujours présent pour moi comment ça a déroulé, regarder comment ça a fait. Nous disons parce que nous tous pas de chasse là et nous tous pas là. Hier, guerrier, vous avez eu comme précision dans l'espace là. Il y a deux grosses cérémonies. Seul et fait de Garry Conille ensemble avec le ministre Lio, les chefs en entier. Première manche là, c'est ça n'a capable les cérémonies de vestiture là déroulées au niveau de villa d'accueil. Et puis deuxième manche là, c'est déroulé au niveau de la résidence officielle du premier ministre Erho Amusso. Peut-être que t'es plus intéressé nous hier matin guerrier du seul les villas d'accueil là parce que c'est là qu'il y a recevoir beaucoup plus de monde, c'est là toute autorité censée répondre présent, ni autorité qui a sorti ni autorité qui a rentré guerrier du seul et c'est là tout qui gagne plus invité des proche des secteurs, proche des proches nouveaux chefs, etc. L'activité a été prévoit déroulée à partir de 10h30 dans le matin. Depuis bon 10h, nous devons arriver dans le barrage là. Nous avons rentré villa d'accueil là, constaté qu'il y a un dispositif imposant. Chaque grand monde, chaque invité qui a rentré, agent de sécurité, force de l'ordre, et dans l'entrée, il a rassuré que vous fouillez le monde. Mais l'autre bagaille que nous n'avons pas forcément comprendre, et malgré nous poser des questions, nous pouvons jouer une réponse, est-ce que chaque grand monde qui est venu dans la cérémonie, qui est dans la villa d'accueil, a un cadre d'invitation dans la mer? Parce que nous autres, honnêtes, les nous avons suivi le déroulement bah, pendant l'espace là, nous n'avons pas eu présenté la candidature. Sinon, les journalistes qui ont été cadre de pression comme journalistes, l'espace là pour aller évidemment. Mais en réalité, je ne pas rappelé que moi, un monde qui vient, qui présente un cadre, ou bien qui a une liste, vous regardez sinon là. Et puis, il a dit ça pas existé non, mais moi à un moment que me dans zone dans appareil là m'adresse ça pas là je tombe non t'as pas par contre c'est gain email yo voyer bay mon d'ailleurs des fois c'est comme ça refaire yo voyer alors j'ai l'impression on monde qui doit pas prendre chance à parler nèg il a cherché il y a des monde qui pas prendre chance s'ils sont officiels c'est-à-dire qu'ils ont responsabilité pour le pas joindre une invitation ils te mettent par mail ou bien ils disent non là pour le débarquer. Ouais, qui c'est guerrier. C'est plus petit bagarre dit là. Elle dit on a bon on a guerrier les meilleurs qui dit dans l'installation. Ça dit qui est-ce là? N'a rien. Oui, mais ça me dit on a cap chercher. Mais ça me dit oui, des cap chercher au cas joindre nèg ça mais on a qui dit pas qu'on est ancien député, ancien sénateur ou bien qui ont directeur général. Là t'as le lendemain tu vas voir des vidéos. Non, ça c'est démarche. Ah, c'est pas une cérémonie, c'est pas une cérémonie officielle. Là on parle de cérémonie officielle. Elle dit n'a pas prêté pour le débarquer comme ça. Ouais. Elle a un choix à ses côtés, à côtoyer les gens, vous comprenez? Ça se passe. Les gens qui ont fait journée, elle a un choix. Il fait 3 jours, il a mis ton seul veste là, guerrier. Vous avez invité? Non, c'est des débats différents. Il y a différents. Cette cérémonie officielle là, avec un espace où les gens peuvent chercher, garder, ils s'en rejoignent. Eh bien, dans le même débat, chercher, les gens qui ont cherché, ils ont cherché. Ça, c'est le débat. Non, pas pour le reste, si tu as rencontré la PM, tu as fait un bain dans les oreilles ou bien.
pour moun k'ap fèl la navette dil gen contrôle oui ça me dit oui nèg ki doit chercher sou moun ap chercher eh ben oui il a besoin d'invitation depuis chercher nèg ap chercher pas besoin d'invitation oui c'est chercher l'ap chercher eh ben chercher faut pas comprendre c'est oui seulement k'ap chercher. Il y a des anciens députés qui ont cherché là tout. Il y a des anciens sénateurs qui ont cherché là tout. Il y a des anciens ministres qui ont cherché. Des anciens directeurs généraux qui ont cherché là tout. Bon, bon, ils ont. Puis quand on comprend que c'est seulement militants qui ont cherché. Non, okay, bon, ils ont. Les dix ou des dix, c'est tout le monde qui a cherché à manger. Il y a tout le monde, c'est vrai. Ok. Moi, je constate, je ne vais pas entrer dans la dynamique cherché là. Comme si. Non, non, là, je parle que on a qui est en responsabilité dans l'État. Ah, ça sont l'autre bagage. Ok? Ça veut dire que pour la cérémonie, il faut que c'est là une invitation. Même là, encore guerrier, il y a un qui est responsabilité dans l'État qui voulait rester là, qui est capable de ramper même pas son nez qui besoin d'entrer dans l'État. Pour le capable de prendre une promotion. Ou bien pour le rester dans l'espace. Je suis au courant de gagner directeur général. Ce pas un, ce pas deux, non? Qui est prêt pour vous faire. Tout ça, pas ta imaginer. Il est prêt pour yon bail, tout ça, yon pas pour se dégager, pour yon rester en poste. Yes. Donc, on est comme ça, il est fragile, on est pour qu'on a l'état même, pour qu'on a poste du tout. Parce que nèg la, il gagne en pratique, il gagne des avantages, il gagne des privilèges, il va le bon matin lever le bas chef encore. Nostalgie pour voir patrouiller. Donc, il vient faire tout ça, où qu'on est, même ça qui. Inimaginable, vous êtes en poste. Vous voulez des noms? On va te quitter. Vous pouvez grand mousse photo. Ouais, et là, nous arrivons dans notre agenda d'Abdil tout à l'heure, aux environs de 10h là. Donc, au dispositif de sécurité, il y a fouillé, mon monde a rentré, etc. Moi, je dis, pas que vous pouvez. C'est sûr que vous avez fini. Et il rentre. Dans 10h, combien yo? Là, ça a commencé fond dans 10h. Et paquet de gros blancs vêt commencé à défiler. Et les renseigner, parce que je n'ai pas de visage de trop bien. Je n'ai pas trop souvent, j'ai une photo de mon noyau. Les renseigner, je dis ah, ce sont les membres du corps diplomatique qui arrivent. Ambassadeur Canada, ambassadeur américain, femme con garçon, chez les sirops, les pointus, affilés. Et c'est eux qui arrivent en avant. Ils sont entrés dans la salle. Pour ça, etc. 11h moins, c'est les ça, les conseillers présidents, les membres du conseil présidentiel de transition, comment c'est venu. Et dans le même intervalle là, tout, il y a un ministre sortant, il a rentré, puis le nouveau ministre, membre de la nouvelle gouvernementale là, tout, il est presque rentré ensemble. Pas vraiment, il y a un écart guerrier entre le membre CPI rentré et le ministre sortant et le nouveau chef est rentré. Okay. Par exemple, le ministre qui a sorti, qui a perdu le pouvoir, qui a ramassé le bataclan, qui a tant ramassé le bataclan, il a eu des gens qui ont eu le premier ministre par intérim, Michel Patrick Boisvert, il a eu le ministre Affaires étrangères et des cultes, il a parlé de Victor Généus. Une petite anecdote sur Victor Généus. Je me connais, est-ce que c'est lui-même qui va installer le nouvel ministre des Affaires étrangères? Parce que je m'apprends de soucis, les madames, tu dois venir dans le CPA après le film. Et il vient rendre public vidéo pour te le dire, etc. Il est monté expérience à ma gueule, je vais continuer, etc. Il y a raison. Il y a une lettre de blâme. Oui, oui, je me ça. Et je me suis changé ça. Mais je dis à la papa, mais si c'est Généus qui va. La vie, ça, la vie va besoin de papa. Oui. La meilleure dame qui va le chef qui va prendre place Généus, ça, là. La vie, ça. Il y a Inol de Joseph, ministre de la Défense, qui là. Il y a Madame Sophia Lorius, et ministre des Conditions Femmes, la femme, etc. Mais tu as des grands absents dans le gouvernement. Pas comme des ONS, les gars. Pas comme des ONS, les gars. Pas comme des madame Emily Profeto. Justice. Ministre de sécurité. Pas comme des ONS. Premier bagage, je dis les gens qui ont attendu là, les gens qui ont suivi là, les gens qui ont rentré là, investi la cour, monter escalier pour avoir accès avec
local village d'accueil là et puis moi m'en découte activité en fait là au dimanche salle là. Là moi rentrer dans salle là, monsieur nous pas mandé me compte. Et pour paraître ou après salle, après ce voir événement, la configuration ça. Son salle qui inapproprié guerrier. Espace là coincé. Bral bay n'importe chiffre là, mais c'est l'idée me voulait comprendre. Parce que moi m'ai ta font calcul et cetera pour moi c'est exactement chiffre ça. Mais l'idée à pour nous comprendre. C'est comme si cet espace ça là qui fait pour qu'il y ait 50 moun. M'a bon menti hier, il fait qu'il y ait 500. Comment ça t'a dit? Donc si ça là t'est configuré pour qu'il y ait 50 moun, bon Jean et il t'a soufflé. Bon Jean chez eux t'est disposé et cetera. Mais du moment que le dépasse ces 50 là, tu as qu'à imaginer que ça se passe. Nous sommes on a coincé, on a le fort, on a le fort, etc. Mon mela, mon monte, mon coffre, mon mélange. Et le pire, ça fait plus attirer l'attention dans ces cérémonie là. Quand pile gros personnalité, qui vient participer dans ces cérémonie d'installation. Dans pile là autour guerrier qui pas rentrer. Yo été non ral, garder le comme ça non aller. On peut pas considérer comme un espace d'attente. Yo tellement honte pour faire honte là pas sans papier guerrier. On y a profité le lien à faire. Mama wow. Moi j'ai ça réglé. Oh elle a pour me da wow et cetera. On y a obligé à chercher un monde ou connaît sous vienne dans cérémonie on pas rentrer pour ta bailler des blagues. Il y a des gens qui ne pensent pas qu'ils étaient dans la situation de guerre. Et deux ont été. Pour qui ça? Parce que par un côté, véritablement, pour les gens qui par contre, vous comprenez? Ambassadeur américain, guerrier, je suis fou de tête, je suis gardé. Je suis sur une chaise. Deux bordels, pas sur une chaise d'annette, non? Elle dit, mon cher, mon bordel, pas à 11 ans. Non, mais c'est le coup là, avec l'autre monde. Est-ce que vous voulez dire c'est deux chaises? Alors, une chaise pour deux monde. Non, non, c'est pas ça, je me l'ai dit. Ah, ok. Ça veut dire tellement il y a pour les chaises. Bon, il y a un avancé pour des bonnes élèves. Ah, ok. Okay. Bon speaker devant et ambassadeur. Ta balle brille de temps en temps. Et s'il lève bien, le gars va me tomber sous bien. Bon, ancien député. Ouais, mais regardez, regardez là, quoi. Regardez, mais ambassadeur, regardez. On nous avance, tant bien, président. Ambassadeur, c'est la pille, on côté. Pour ne pas tomber. Par contre, ce que vous voulez dire, tant de après, c'est de mon nom qui doit poser blague. Ma mère me dit là, je vais poser blague. Ma paille, on va le blague. Mon ancien député, nous connaît en pile. Mon ancien député très médiatisé. Il arrive, papa, il va rentrer. C'est des rois à l'obligé. Ou vous comptez arriver pour le carrel, la cérémonie, c'est non pour le campé. Et puis au final, elle va nous dire, après, elle retourne dans l'espace d'adaptation à la petite blague. On va le blague. Si on est bon pipi dans la cérémonie, il faut sortir de DDN. Si on sortit, c'est bien. Si on sortit dans la cérémonie, on peut dire Blasso. On peut dire Blasso. Et la lycée? Ah, mandez-vous. Quoi, là, on a lycée, mandez-vous. Cérémonie a commencé aux environs de 11h, combien? 11h, quelques minutes, etc. Et puis à mesure que la cérémonie a déroulé, les journalistes viennent venir, et que les journalistes qui étaient là, et puis après la cérémonie, hein, mais que les journalistes qui arrivaient au fur et à mesure. Et que, pas de espace pour journalistes, ils disent qu'ils journalistes encore. Vous décrivez, ils disent qu'ils ne sont pas journalistes encore. Et les journalistes qui sont là, ils ont pris les appuyé de ça. Parce que c'est force. Photo, personnalité, son, etc. Pas mon respect vraiment qui était aménagé de recevoir un journaliste. Et parlant de son, c'est une catastrophe dans la cérémonie. Ça. D'ailleurs, la cérémonie pour commencer, il y a maître de cérémonie, hein, mon micro, a parlé là de parole de Mathieu. Là. Et c'est notre confrère Jules. Jules, des Augustes. Des Augustes, ouais. Elle commence à parler, même dans le bar à dents, parce que le micro n'a pas fonctionné. Il y a rapide, il y a retiré le micro, il y a le micro. Je ne sais pas si je
dans cette cérémonie. Mais tout au long de la cérémonie, il va appeler de couper. Et il y a un côté qui va le couper. Plus, c'est le premier ministre n'a pas lié. Monsieur Garigoni, de temps en temps, il y a un ballon qui est capable. Surtout dans le fonctionnaire, jusqu'à ce qu'ils font gros bruit. Dérangé. Tout le monde en dedans. Pour moi, je manque de courir. Parce qu'on est un pays à de temps en temps des détonations. On va prendre ça qui a passé. Au niveau village d'accueil, là. Au bout, on est. Après ça, il devient plus ou moins. Et plus ou moins. Après. Et c'est mon affaire. Ni en petit temps. Et. Ah, ça, les techniciens qui arrivent. On a parlé de c'est village d'accueil. Et ça la caille pour pas baler, va parler quand même. Et bien après ça guerrier monte. Nous vinn jambé dans résidence officielle pour le ministre dans ROA. On est d'abord assister à deuxième marche là, faut que nous dit dans ROA t'es plus ou moins gagner en organisation ou bien en planification guerrier. Mais faut que nous noter tout dans ROA qui c'est deuxième cérémonie. Et il y a moins de monde. Il y a moins de monde guerrier. Dans la résidence officielle pour le ministre. Abli Mdo, cérémonie, il y a deux matchs. Il y a déroulé dans la villa d'accueil, côté CBTIA. Et puis l'autre là, c'est dans ROA, dans la résidence officielle pour le ministre. Plus ou moins, il y a un bon son, l'espace a été plus bien aménagé. Il y a un bon espace pour les journalistes, etc. Et Jules Desaugus prend la parole. À ces glaces-là, Jude Charles Faustin, secrétaire général, Mathieu, Palais, Boisvert, Palais, Conny, le premier ministre, une Palais, c'est la salle de balle pour aveu. Et Gary Conny, à toute famille, dans un gros état, va l'intéresser à ce job-là. Il va être venu, même si lui-même était quand même volontaire, mais la famille n'a pas de vlé. Il dit famille n'a pas de vlé parce qu'il dit, famille n'a pas de vlé. Je dis, l'expérience était faite en 2011-2012 là, pas si fructueuse, pas si ça, donc pas très bien, j'ai arrêté sorti là, et quand même déconseillé, jusqu'à ce que lui discute la famille, lui convaincre, et puis il vient. Il dit son plaisir qu'on y a là pour lui servir la République une deuxième fois dans un niveau ça. Et après ça, il fait un donneur bail, qu'on est, pas de lui paraître la photo. Il a pas dit, il a tout, mais ça va bon. Donc, yo. Alors pour ça moi-même moi t'ai vlé avant de venir sous discours que on y fait dans village d'accueil là lui même projet ten sous Jean cérémonie du rouler à guerrier et mise en place qui était faite pour cérémonie. Depuis longtemps j'ai toujours dit l'état son mauvais gestionnaire. C'est-à-dire depuis son bail l'état qui a géré les facile comme ça. Dans Jean, je gère, dans l'état, bagalaye, même dans le résultat. Pourtant, les gens qui sont dans l'état, qui sont là pour faire l'état marcher, les gens qui privé, ils font tout ça pour faire. Or, dans l'état, ce n'est pas moyen qui n'a pas gagné. Or, dans l'état, ce n'est pas mon éclairé qui n'a pas gagné. Or, dans l'état, ce n'est pas mon qui connaît qui n'a pas gagné. Mais c'est comme si vous entendez eux-mêmes, vous corporatisez l'état. Je vais vous donner un exemple qui c'est. Si vous achetez un tête de bœuf, là, la payez par mois dans la maison. Il connaît pour faire service régulièrement. Il a un gens qui courir. Et si c'est le chauffeur qui a un guerrier, depuis le chauffeur a jeté la machine dans notre trou, ou bien le chauffeur a un gens qui a malmené la machine, vous blâmez le chauffeur et aller jusqu'à révoquer. Ça, si c'est machine machines privées par eux. Mais depuis ces machines, l'État, ah, tu as un problème, mon cher. Allez, avancez.
Si tu mets frappé, ça va dire ouais, parce qu'on est, vous allez mettre mon côté. Vous allez chercher l'autre, gens vous jouer dans l'autre machine. Si vous pas jouer une machine là, parce que l'état gonjan le dépenser l'argent gonjan débloquer l'argent, si vous pas jouer une machine rapide, vous gont 10 ans mieux là, ou gont famille là, vous gont boule gagne là, vous font contrat de location avec eux, puis machine l'état ou dans ton boulon, vous mettez l'en côté et puis vous fait en particulier ou bien au fond l'autre groupe à fond cob qui t'a acheté à 10 of the day n'importe 5 machines en location. En tout cas, c'est pas moi retourner sur ça m'a dit. C'est pas un qui pas éclairé qui va gagner dans l'état. C'est pas un qui pas fondé qui va gagner dans l'état. C'est pas un qui pas brillant qui va gagner dans l'état. D'ailleurs, quand pile nèg qui dans l'état, c'est des nèg qui parti. Qui aller dans l'autre pays, qui aller à l'étranger, qui voit comment ça fonctionne. Et l'arrivé dans l'autre pays, guerrier. Ouais côté l'état présent depuis sous Jean espace là hier. Depuis sous Jean, jeune nèg qui t'en dit ah. Le pouvoir l'état qui vous présenter là. Je j'aime d'un bon exemple. Je dis jodi a dans niveau Musso, gagné deux côtés l'état chita. Ta capable dire Musso jodi a c'est symbole l'état. Gagné et gagné soit passer là c'est bon bail. Important hier là. Nous ça t'a fait hier là. Côté de blocus et bonheur pendant toute journée malgré cérémonie finie et gros bloc sous boudon et même sous canapé vert là tout parce que machine pas réussi à passer sous boudon obligé à le passer canapé vert qui vient et donc juste action de tronçon ça c'est bon bagaille on s'en gagne guerrier passer dans zone ça là pas rien tout c'est chef qui est là non surtout le soir nous sommes j'ai dit ça récemment surtout le soir il fait noir. Vietol rouge campé, il fait noir, et petit machin, ou prea, on a 20 collé avec et clôture, et ou t'as capable de dire, tu as. Nous c'est le 6h, c'est le 7h, c'est le 8h. Faut ta bon l'huile là dedans pour passer dans zone ça. Et pourtant, c'est là le ministre, c'est là primature, et puis c'est là 7 ou bien 9 présidents. Là où vient travailler chaque matin. Là, ils viennent faire journée chaque jour, et puis pour eux, là, pas semble à rien. Mais c'est même ça. Ou pas qu'à comprendre depuis c'est l'État qui a organisé un bagage guerrier du seul, ou pas qu'à attendre un bagage de qualité. Pourtant, l'État a des moyens. Comme si pour nèg yo di mon zaki, ou y a fait une cérémonie d'investiture, ou c'est dans le niveau zaouvel. Guerrier, sur le plan planification, zéro. Logistique, zéro. Coordination, zéro. Comme si pour une structure comme une villa d'accueil, depuis la conception, il n'y a pas de prévoir une salle spacieuse qui va recevoir une quantité de monde raisonnable avec toute structure qu'on est. Côté pour monde prendre la parole, des structures de son, côté pour journalistes. On en a parlé de l'État, il faut donner à César ce qui est à César. On garde les banques centrales là, derrière. Ça, c'est une exception. On garde les bâtiments les banques centrales là. C'est une exception. Mais nous ne pouvons pas parler de ces exceptions qui viennent dans la bouche nous. Depuis nous dit l'État, tout simplement. Même drapeau qui est dans ma institution, guerrier Dieu seul. C'est des drapeaux qui ont des années, des mois là. Là, ils finissent chirer mal, moi, non? Si vous parlez dans le bureau de l'État, ou le bureau de Gonjan, dans le bureau de DGI, bureau de AVCT, dans le série de Vilaine de Veillard, pas de différence entre dépôt-toi, fatra avec eux, non? Pourtant, c'est. De côté, l'État a percevoir taxes, l'État a fait l'argent, vous comprenez, pour alimenter le trésor public, pour ne joindre, pour faire la geste, pour les belles machines, pour équiper les bagailles. Comme si vous n'avez pas de penser que, vous avez gagné des activités du genre au niveau de villa d'accueil là, pour vous mettre des bagailles en place, pour vous faire que ça va passer comme ça. C'est laisser ça, vous avez branché le micro, vous avez testé le micro, vous avez gardé ce micro bon, ce micro marché. Bon, moi, c'est son contrat au fond, mais si vous employez le villa d'accueil là, moi, je vous ai mis ce matin. Hein? Donc, si vous n'avez pas le moyen tout, mais vous même tout comme professionnel, donc si vous ne voulez pas passer l'aide, si vous avez des choses besoin, et pas l'activité que vous faites pour vous. Donc, vous avez entendu que vous concouratisez l'État. Depuis que l'État qui a fait mal à l'État, l'État, bah, l'État, mon cher Gabon. Même si vous avez dit l'école, l'État n'est pas bon, c'est sa perception. Depuis l'État, il n'est pas bon, depuis l'État, il a fait ceci. Depuis l'État, par contre, vous comprenez.
pourtant dans l'autre pays, il pas comme ça guerrier. Il pas comme ça. L'état gros gens lié. Mais tout ça qui rapport avec les bagailles ici, ouais, paix ou réflexion n'a besoin l'état là-dedans. Bah l'état pas bon. L'école l'état vient tout non jouement, ils assez gens, l'état traité l'école. On dit mais dans l'état l'école, mais dans l'état tu étudies, dans l'état tu suis, dans l'état tu es là. Pourtant l'état ça n'a pas lié à la guerre de seul. On est à être fier, oui. L'État américain m'a en charge, l'État français, l'État canadien, mais n'importe quel pays décide de dire c'est eux qui ont fait ça, ou est-ce que l'État tout carrément, c'est mal autorité, malheureusement. Donc, je pense qu'il faut que nous suspendions pour courtiser l'État dans ce sens, monsieur. Relais sous nous, nous avons des moyens pour ça, nous avons des corps pour ça, nous avons des ressources pour ça. Vous avez tellement tout nègre à battre, vous faites comme vous et puis vous n'avez pas intéressé à rien. Considéré comme détail, pourtant les détails ça y est, ils peuvent faire ouais en bas. Yo. Ok, on a dans le discours, monsieur Koni fait dans la villa d'accueil là. Nous pas matons à analyser discours, nous toujours dit ça, et nous pas des prétentions que nous allons analyser discours, monsieur Koni là. Cependant, comme nous même nous t'es là, nous t'es ouais détendé, il y a quelques bagailles, comme haïtien qui attire attention nous, comme journaliste qui attire attention nous. Oui bah on a dit, nous estimer Monsieur Koni était très froid. OK? Nous estimer monsieur Koni ton petit Jean Kanyan dans message de circonstance là. Est-ce que c'est style ligarié de seul? Ça peut arriver. Il y a des monde qui pas parler fort, des monde qui la parler la même temps de pas attendre, des monde peut-être ce niveau ça reste qui reflète dans ça l'a dit. OK? Mais parallèlement tout guerrier de seul. Faut nous arriver faire décantation les monde n'a parlé entre Mouna, tout naturellement, et autorité a, ou bien moun qui occupe fonction. Mais ça ne le dit pas là. Préval, nous d'après ça avec le bourri Lubin. Pat on est qui est agressif dans la parole. Pat on est qui t'a parlé fort, pat on est qui t'a parlé avec un pile et charisme, si nous avons dit le. Par contre, il y a des côtés, les Préval doivent montrer où ces chefs l'état qui a parlé, il va hésiter. Par contre, vous comprenez? Aristide, à un certain moment, moi, je suis plusieurs discours pour Aristide à parler. Mon côté, vous avez dit, 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 perdu, vous avez dit, certaines fois, vous avez la parole, vous avez dit, chef là qui a parlé. Parce que de côté, vous avez dit, vous avez dit, vous avez dit, vous avez dit, faut vous montrer que c'est autorité qui a parlé. Exactement. Par contre, vous comprenez. Parce que, est-ce que c'est style gars reconnu comme ça possible, est-ce que c'est maladie qui va au final aller ou bien c'est quoi pour que trop bon possible nous pas connaître ou bien est-ce que c'est timidité gars reconnu etc. nous pas connaître sauf que nous même nous font constat que monsieur Koni ton petit Jean parle deuxième bagaille nous estimer que monsieur Koni font discours de charme hier par exemple à un certain moment moi mandé. Est-ce que Koni comprend que le Premier ministre a une conjoncture spéciale? À un certain moment, je me demande, est-ce que Gary Koni comprend que le Premier ministre il a des missions très claires? À un certain moment, je confonds Gary Koni avec un Premier ministre qui a été choisi en temps normal par un président de la République qui a le devant Parlement, qui a présenté la politique générale et qui même espéré fait 5 ans. Président qui choisit là. Tellement, monsieur a annoncé des bagailles. Bien sûr, il est bien dit, je vous dis, qui a charmé les gens. Raison en simple, guerrier. C'est parce que la population a tellement souffert, il y a des bagailles qui ont envie d'entendre pour nous rassurer. Je ne vais pas mentir. Je dis, vous pensez si un chef montre qu'il est intéressé à la question de sécurité, la population n'a pas pris au sérieux. Elle n'a pas pris au sérieux. Vous pensez que la population n'a pas aimé entendre les gens qui disent au conseil de la ville là, qui exigent transparence. Dans gens l'état dépenser l'argent population mais après m'entendre ça vous pensez que population pas vous m'entendre que on est qui vient à Guizou il prend la bataille contre corruption parce que nous connaît qui sa corruption en fait ici l'argent n'est volé l'argent n'est gagoté ici de l'argent qui était peut-être évité une série de réalités n'a connaît journée aujourd'hui par contre vous comprenez mais c'est des bagages qui pas durer longtemps ou a fin dire mon a bat bravo pour on a dit ah pour ministre ça pas venir pour la paix, mais vous prenez le temps de nous devant. Parce que si ça dit,
yo pas accompagné avec aucune action dans une semaine, deux semaines, un mois, deux mois, trois mois, vous venez paraître comme bluffeur. Et là ça l'état préférable pour de plus rester silence et pour quitter ces actions qui parlent pour guerrier du seul. Parce que ça pour monsieur Gary Koné pas oublié. Levin là, il gagnait deux principales missions. La première mission c'est rétablir sécurité en dans pays, rétablir l'ordre avec la paix. En de pays pour moun ka retourner circuler, pour moun ka retourner fonctionner, pour moun ka retourner vaquer à activité quotidienne yo guerrier. Mais la deuxième mission c'est organiser élection générale en de pays. M'pa konti m'te gen bon oreille, mais à aucun moment guerrier m'pa rappeler non que m'tande monsieur Koné parler de élection. Est-ce que c'est par oubli? Est-ce que c'est omission? Est-ce que c'est un choix? Je ne sais pas. Et s'il l'évoquait, peut-être ça qui arrive, m'a gon mémoire éléphant. Vous comprenez? M'a songé, connaissez pas le passé sous lui. Par contre, vous comprenez? Gary Koné dit, ministre doit réussir. Ensemble avec lui-même, on va dire tout le gouvernement. Nous d'accord? Il m'a dit, faut que ministre mette à la hauteur pour capable de faire. Ou net comme si c'était propre moule l'espoir dans le pays. Et Gary Koné a annoncé que le gouvernement là pour un gouvernement empathique, c'est-à-dire c'est le gouvernement qui est sensible à la souffrance peuple là, qui prend la souffrance peuple en considération, qui pas prêté indifférent face à la calamité peuple haïtien. On va voir Gary Koné ils ont bagage qui attire attention fondamentalement dans le discours, c'est que dans le gouvernement là pas bien place pour division. Hier, yeah, je vous l'ai dit, une série de ministères qui allaient en bas griffe, une série de secteurs ou une série de forces politiques dans le pays. Je suis peut-être assez simpliste, je dis que je dis, hein, si vous avez des ministres qui n'ont pas de résultats, donc les gars, on est qui vous dans le ministère pense que n'y pas quelqu'un qui compte pour le gars, ou bien ça ne peut pas dire rien. Oui, nous avons des simplistes. Mais pourquoi ça nous dit ça? C'est parce que les ici, ils ont plus senti redevable envers les gens qui font au jeune poste là que leur venir dans poste là pour agir comme chef ou bien femme d'État. À chef, non comme homme ou bien femme d'État. Mais ça ne me dit pas là. Ça qui arrive, guerrier Dieu seul, arrivé dans la tête direction information Radio-Télévision Caraïbe, c'est un groupe de journalistes qui proposait Patrick Moussignac. Monsieur Moussignac, écoutez, guerrier Dieu seul, pour expérience, etc., nous pensons qu'il y a un bon coup de main. Mais fuck, les guerriers arrivés dans la tête direction, hein? Ou il est capable de reconnaissant envers nous-mêmes, groupe journaliste, qui était suggéré, qui était recommandé, qui était proposé, M. Moussignac, à titre de directeur général, directeur d'information. Mais l'autre journaliste guerrier qui pas participé dans ce choix-là, mais aussi les journalistes, ça, les nouvelles-là. Donc ça veut dire qui ça? L'ovine directeur, ou pas directeur groupe ça, ou pas son directeur, celle des nouvelles, qui doit marcher, Jean doit marcher, même traitement. En fonction de vision radio et l'éditorial radio, etc. Par contre, vous comprenez, c'est la même chose. Ce n'est pas parce que c'est famille Lavalas qui voyait ingénieur Raphaël Osti dans MTPTC, et puis pour Raphaël Osti dit bon, il n'y a pas de code pour le rendre M. Koné, c'est Aristide qui chef. Donc si Aristide dit fait telle route là, il a fait telle route, c'est si Aristide dit ramasser tel fatra, c'est si Aristide dit évoquer tel monde. Non. Oui, c'est Lavalas qui voyait. Mais une fois qu'on finit d'installer ou investir dans la fonction, puis non, on est publié dans l'arrêté dans le moniteur, ou son homme d'État. Donc ça veut dire que ça, on fait partie d'une équipe gouvernementale. Donc, doit y avoir synergie, doit y avoir cohérence, okay, pour nous capables de faire des résultats ensemble. Qui veut dire que ça? Si nous échouons, l'histoire aura retenu que c'est le gouvernement Koné qui échoue. Même j'entends, si nous réussissons, l'histoire a retenu que c'est le gouvernement Koné qui réussit. Mais pas étonné, ou. Nèg ici tellement mesdames, nèg ici tellement drôle que avant 7 février 2026 rivé, il doit gagner pas 2 à 3 remaniement ministériel. Vous savez pourquoi? Il y en a qui tellement espéré que il y a un secteur, et secteur a choisi ministère, il prend tellement gain attente de ministre et si ministre pas arrivé, à qui attend encore? Attend pour satisfaire désir à caprice politique. Donc si vous imaginez un instant que ministre ça t'a décidé comporter comme homme d'État qui dit ah gagner pas rentrer là-dedans. Pas étonnant. Il y a des assemblées de secteurs qui ne sont pas faites là qui fait. Je dis que je vais changer le gouvernement. Ça.
pour bientôt n'a dit révoquer ministre ça. Pas nous pas contrôle l'île vient trop pour nous. I don't know. Oh, elle pas ta doué comme ça. On t'attendait au passer dans l'opposition. Vous comprenez ça m'dola, elle pas ta doué comme ça. Depuis où sorti dans secteur 7, nous pas mande ouvrir Dubaï secteur. Mais faut d'accord je dis à nous gouvernement. Mais j'ai dit l'état c'est un seul. Vous comprenez? Le gouvernement pour nous dire comme ça, son seul. Pas gain deux gouvernements. C'est soit dans gouvernement ou bien pas dans gouvernement. Maintenant, là, ça, on a besoin de leadership éclairé pour côté chef gouvernement. On a besoin de chef gouvernement tout, qui a la capacité pour développer des rapports très harmonieux, si on a dit comme ça, avec les collaborateurs. On a besoin de chef gouvernement tout, qui est prêt pour avancer avec les collaborateurs. Donc, M. Kony a annoncé qu'il n'y a pas de place pour division dans le gouvernement. Là, on va voir ce que ça va donner. Le gouvernement là, il y a indivisible, si on a dit comme ça. Maintenant, je dis à l'infinité de tout ça, M. Kony, qui a annoncé des réformes, etc. Nous pas de problème avec les réformes, guerrier. Mais vous avez réforme. Nous sommes d'accord. Pendant toute dernière année, toute dernière décennie, le pays a fonctionné très mal. Nous pas de problème avec réforme. Nous avons une capacité pour faire réforme. Avec plaisir, nous n'avons pas courage. Mais quand il y a la fin réaliste, pour ce n'est pas nous rêve, pour ce n'est pas nous illusionner. On regarde le temps, la transition, on regarde ce qui dit dans la feuille de route. Monsieur Dame parti pour nous tout bien, monsieur Dame qui signe encore 3 avril. On regarde. Est-ce que monsieur Kony a bien assez de temps dans l'espace 20 mois, 19 mois, 18 mois pour faire toute réforme ça? Nous pas peut-être mettre en question volonté, mais nous pas questionner réalisme là. Par contre, je comprends. À moins que Gary Kony ait une autre feuille de route qui est différente de feuille de route monde qui signe encore 3 avril ou bien mon qui était dans bagarre comme yo. Si Gaïko dit qu'on l'autre feuille de route ou bien qu'il va décider le dire OK, feuille de route nèg yo te signé dans accord 3 avril là pas engagé. OK? Il même pas signé bagarre avec yo, et cetera, surtout que bon bagarre qui vient dire là, il pas publié dans le moniteur gon force pas rien bref, m'entre dans débat ça parce que moi un parti qui a exigé faut publier. Gaïko ni doit dire bon même, il gagne feuille de route parle. Par contre, je comprends. Si Gaïko ni gagne feuille de route parle, OK. Mais si c'est accord politique, nous connaît accord politique 3 avril là. On s'en parti signé qui baille naissance à CPA, qui baille naissance à modèle transition ça. Donc faut Gary Kony ta réveiller dans dormir. Par contre, je comprends pas dit ça. Je te dis Gary Kony c'est pas même réalité 2011-2012 là côté qu'on vient premier ministre, des grands temps devant ou pour apprendre qu'on job là, pour mettre en prendre tout ce job là. Je dis à nous grands temps devant nous côté nous doit aller vite et bien. Jodi a, faut que Gary Kony pas comprendre son équipe en campagne qui l'a simplement chaque fois pour prendre la parole pour séduire monde. Par exemple, regardez la réaction après la mort de monsieur Itagio. Un discours charmant encore une fois, il a annoncé des bagailles, etc. C'est bien. Mais c'est pas ça nous besoin jodi a. Gary Kony, si c'est pour popularité a, peuple a commencé mettre au populaire. Si c'est pour sympathie a, peuple a commencé montrer sympathie pour vous. Au contraire, vous faites l'éloge avec bien sûr des baroudi là, avec intention faire montre. Mais je dis, ce n'est pas parole nous besoin, je me dis ça hier matin. Ce n'est pas parole nous besoin. Le peuple a besoin d'action. Je me dis ça, je vous dis encore. Plutôt quitter instance de communication, vous communiquez pour vous et puis vous même travail. Et puis laissez ça, action va parler pour vous. Par contre, je comprends. Parce que je dis, nous avons une série de bagages qui doivent être faites. D'ailleurs, qui doivent commencer à faire. Nous faisons temps passé, mais nous allons courir sous 2 mois là depuis CPA. Lui même lui pour installer il pourra faire par exemple mettez sous pied conseil électoral provisoire on ça te dit dans document dans les 60 premiers jours conseil électoral provisoire là les gétant mettez en place mais pas oublier guerrier du seul 60 premiers jours la privée le 25 juin qui vient là est-ce que ça veut dire jeudi à 13 dans 13 jours là il y a un processus qui est initié pour mettre camper conseil électoral provisoire nous doutons très fort. Nous d'accord que décision pas prendre en tête chaud. Nous d'accord que décision pas prendre dans pressé. Mais nous pas qu'à dans tâtonnement tout guerrier, nous pas qu'à improviser, nous pas qu'à perdre du temps tout. Moi au courant que des bagages nèg yo a fait. Tu qu'à prendre n'importe 1 jour, 2 jours, nèg fait pour semaine. Et à rythme nous pour aller là. Si nèg yo juste rété dans dynamique ça, chaque petit bagage yo prend comme décision pour yo faire, yo obligé prendre 1 semaine, 2 semaines. Guerrier Dieu seul. Rendez-moi fou sage. A aucune façon pour nous respecter l'échéance 2026. À moins que, Gary Kony doit dire que bon, comme si nous avons signé un accord, 7 février 2026, qui garde,
7 février 2026, conseiller président va aller et puis lui même il capable de jouer dans pour l'organe. C'est possible là. À moins que mais si tout nèg doit aller le 7 février 2026, que le te conseiller président, que le te gars connaît, faut que nèg pense que jodi a si chaque fois pour font bagaille obligé perdre 3 semaines, 2 semaines, 4 semaines, à aucune façon guerrier de seul pour arriver respecter échéance. Même ça crivé Ariel Aria capable arriver au tout. Mais 3 ans perdre du temps pas réglant rien sérieux. Je connais à toute équipe pour m'a dit ça. Moi-même en plus que je suis journaliste, je suis citoyen qui a été à tout. Le peuple n'a pas besoin de parole encore. Le peuple a sous une belle parole. Le peuple a besoin d'action. Et moi-même, personnellement, je commence à compter pour nous à partir d'aujourd'hui. Installation fait hier, investiture fait hier. Il y a des ministres qui commencent à prendre fonction depuis hier, qui ont pris fonction aujourd'hui. Je commence à compter pour nous depuis aujourd'hui. Et chaque grand jour est important, même si je m'apprends aujourd'hui, tu as de bons conseils, des ministres ne vont pas tromper. Conseil de gouvernement, tout c'est Gary seulement qui a présidé. Mais si c'est PA tout a géré ça, il n'y a pas de conseil des ministres. Premier conseil là. Donc il faut que nous comprenions. Trump, l'aller, quittez-nous si nous étions dans la logique, nous avons tourné, nous avons improvisé. Ok, Gary? Oui. Parce que les gens qui sont là, il y a deux bails à obtenir. Sécurité et élection. Plus sécurité. Ou est-ce que ça ne base pas l'autre bagaille? Parce que depuis la sécurité a commencé, table l'école. On les gars qui plantent bagages qui viennent automatiquement. Bralbaou. Si commence à gagner sécurité guerrier, route nationale a ouvert. Si route nationale est ouverte, connexion entre département a fait. Département avec région métropolitaine a collecté plus bien. A bien plus trafic. Si il y a des routes qui commencent à débloquer chez Rudo. Si il y a des zones qui commencent à safe business pour aller ouvrir la donne. Et puis il y a capable de retourner fonctionner. Si machin a capable de retourner en bas. Et puis, c'est garder le redressement économique que nous avons souhaité, même si c'est à court terme, nous avons commencé à prendre forme. Ça n'a pas besoin qu'on s'en compte en voulant. Ah, on se voit bien. Accord, monsieur Damo, de signé dans la mission fondamentale du gouvernement et qui gagne une feuille de route. Et moi, je parlais de rétablir conditions de sécurité publique. Et défini avec partenaires internationaux les conditions et un soutien efficace à la force sécurité haïtienne dans respect souveraineté nationale rétabli et assaini institution l'État et mettez en œuvre réformes transitionnelles nécessaires y compris dans ce qui vient pour avec bataille contre corruption et impunité. Mettez en place le conseil électoral provisoire, dans la tête collée à conseil présidentiel. Prenez des mesures exceptionnelles pour relancer l'économie, améliorer les services de base, combattre l'insécurité alimentaire, entre autres. Créer une commission justice, vérité, réparation. Amender le droit qui portait sur formation, fonctionnement et financement parti politique. Veiller à respect, accord ça, dans ça qui est concerné et divers autres domaines. Voilà. Et bien ça, au bail et Gary Koni, hein, comme mission ou bien responsabilité gouvernement transition. Ouais. On l'autre encore. Ok. Oui, c'est ça. Oui. Et concernant KEPA, on dit que c'est 30 jours. 60 jours. Ça veut dire 2 mois. 2 mois. Pour vous mettre le campé. 2 mois pour arriver le 25 juin. Cap venez là. Je dis à combien? Je dis à 13. 13. On a 12 jours. 12 jours. On a 12 jours mathématiquement. Et sur notre bataille encore. Hein? C'est tout secteur pour dire qu'il va reconnaître mon ça, pas dans le secteur. Ouais, mon ça, il y a tel. Il y a un sous d'oli. Donc, c'est pas dans l'autre bataille. Il évoque ça, le long CEP équilibré et tout. Donc, il peut être pris un engagement pour CEP pour aller monter là son CEP et sans force côté. Est-ce que c'est possible? Non. Voilà, donc moi, je pense que c'est nécessaire pour attirer l'attention de la République sur ça. Bien sûr, parole est au bon guerrier. Il ne pas dit pour Gary Koni, pas de parler. OK? Pour Gary Koni, pas de parler. Mais je pense que je dis à l'heure n'est plus à la parole. OK? C'est action. Et dans le ministre, il y a deux ministres qui sont là, à part de Mme Floristal. Là? Dans le nouveau ministre. Oui, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas.
Pas de chance. Il y a plusieurs amis qui disent que Villa d'accueil, là, c'est son résidence privée. Et puis, il va te faire pour ça. Il va te dit bon, et si Villa d'accueil, là-bas, là, il côté où tu as logé dans l'hôtel, Dénette. Il va te loger dans l'hôtel. Et puis, il dit non, madame a fait étranger l'a installé depuis hier. Et Genevis qui installé lui. De bien souhaiter là, vous m'avez commencé à faire. Il y a dit madame n'a installé depuis hier. Et il y a l'autre ami. On a parlé de questions photographiques. Il y a dit seul, tête d'actualité. Il a forcé pour le récit, jouer une photo. Groupe là qui n'a pas trop de monde. Okay. Tellement comme si il y a des gens qui gonflent, chef. Donc même une photo, on va faire un goût. Et de fait, il y a une photo qui est mieux. Il y a plusieurs autres citoyens civils qui sont là. Donc c'est pour corroborer à Sam Dabdi. Ok? Nous pourrions peut-être attendre un petit mot sur la déclaration de M. Koniyo. Oui. La déclaration de M. Koniyo pour nous garder une idée. Même si plus ou moins voulait attirer l'attention sur ça en particulier. Parce que je vous dis, ces deux bagages nous avons besoin, c'est sécurité et élection. Oui. Nous avons l'élection, comme par exemple, nous avons la donne, CEP. Et assemblée constituante, réforme constitutionnelle, tout ça yo. Qui ont entré dans le panier élection. Mm-hmm. Et puis dans la sécurité, à nos alliés, c'est la police, c'est l'armée, c'est force multinationale. On comprend. Mm-hmm. Et puis après ça, apaisement social. On comprend. Ouais, si on est capable de calmer grand goût pendant un petit temps, pour avancer. Oui. Donc on a plein de gars qui à l'œuvre. Mm-hmm. Et nous pas balancé le temps. Nous bagarre un mois pour nous assassiner le habit. Un mois. Pour nous assassiner le habit. Signal. Nous va dire où est le problème non. Et pas on baguette magique qui arrive là et puis la passer les vies pour toute bagarre. OK. C'est un peu ça guerrier pour la cérémonie d'hier, sorti dans villa d'accueil là pour aller dans ROA. Nous te dit ça déjà grand pile ministre qui va installer, mais gain l'autre qui va installer jodi. Par exemple, ministre commerce, ministre tourisme là l'a installé jodi. Mais est-ce qu'on qui bol là ministre commerce là? Et c'est bon qui va la blablabla. Et Bachand de Masson. Et qui va le dire encore? Et pour me garder. Et hôtel. Non, non? L'école hôtelière? Et tu belle? Comment est-ce que belle local en bas? Vous avez la donne? Courir. Hein? Vous courir? Tu n'as pas légitime dans bon pompier. Vous avez la donne? C'est ministre affaires. C'est Gary Kouni qui installe le ministre affaires étrangères là. Depuis hier, que le ministre entrant, il blâme. Il fait la génération, tout le monde a pris la parole. On ne parle pas de ça. Tout le monde dit ça, pas de ça. On ne parle pas de ça. Il y a des ministres qui ont été imaginés, ils sont tapés comme grand monde. Ils sont grand monde pour eux. Allons. N'a pas tenu à l'œuvre. Oui, c'est ça. Je te dis ça, c'est pas plus bon, c'est certain, mais la force des choses fait c'est au clair. Oui. N'a pas tenu pour nous rester au bail. Pas un problème. Ok. Ah ben, on a regardé ici à côté de déclaration. Un discours qui était fait dans la cérémonie ça hier, cérémonie investiture et cérémonie installation. Cérémonie investiture là, les déroulée dans la villa d'accueil, dans Musso, en présence de membres CPO, plusieurs ministres dans le gouvernement Ariel Henry, avec plusieurs membres dans le corps diplomatique là, parmi l'ambassadeur américain dans le pays. Dans le discours pour circonstance là, nouveau patron primature l'a présenté grande ligne gouvernement lien pendant la promette pour attaquer véritable problème population a fait face. Gary Kouni reconnaît tâche là pas facile mais il promet la mettre à la hauteur. Nous devons réussir pour nous bailler l'espoir et un bon demain déclaration nouveau chef gouvernement qui dit parer pour la bataille bon côté conseil présidentiel là pour faire sécurité retourner pour haïtiens capable vivre dans la paix. En côté un bout tenant discours premier ministre Gary Kouni dans micro Peterson Luxama avec dernier
n'a pas aller inviter au côté. Oui, bon, nous regardons si nous retrouver déclaration premier ministre Gary Codin, déclaration li fait hier nan moment installation li comme premier ministre pays côté li dit li conscient de tâches qui attendent qui pas facile mais dans tête collée à un conseil présidentiel là il après le travail pour capable faire sécurité retourner et dans pays permettre haïtiens capable vivre dans la paix si non pas capable joindre Jimmy Clip pour permettre non coûter déclaration Gary et Connie et là on regarde qui l'autre extrait qui et peut-être est disponible. Oui, Dimitri, déclaration Gary Coney, qui lui-même c'est le premier ministre paysan qui est installé hier dans le cadre de la cérémonie ça, qui déroulait dans la primature. Donc, à côté, plusieurs dirigeants politiques, corps diplomatiques, qui ont été présents dans le cadre d'activité. Si là, en côté, il y a un bout dans la déclaration premier ministre là, Gary. Plusieurs ministres qui arrivaient prennent fonction officiellement depuis hier. Par exemple, nous apprenons qu'il y a un ministre Affaires étrangères là, qui est lui-même installé depuis hier. Il y a un ministre Justice là. Carlos Hercule. Et c'est Carlos Hercule qui a installé ministre éducation. D'après ça, il y a comme information. Il y a plusieurs autres ministres qui installent tout et je dis à les ministres avaient installé par exemple il y a un ministre tourisme, un ministre commerce et industrie qui avait installé Mathieu à Pétionville dans l'école nationale du tourisme et puis il y a un ministre sport à tout Mathieu je dis à lui a installé on a entendu et monsieur Gary Coney premier ministre pays a dans discours circonstance. Un respect que j'ai pour pays depuis que j'ai commencé à l'esprit c'est une honneur pour moi pour me porter coller dans soutenir pour me tourner camper sous pied pour nous faire ça faut que nous commencer marcher sur chemin l'état qui chita sous droit à justice démocratie et développement m'a commencer dire merci à tout le monde tout groupe à one bagay que ce soit la société civile ou sinon tout l'autre côté qui te recommandé ma soutenir candidature pour poste Premier ministre là. Choix ça a montré yo gen confiance dans moi. Nous met quoi moi pas faire nous honte. Tendez ça me porter dans jacoute moi et puis choisim nan mitan quatre autres compatriotes qui gen pile qualité à mérite tout. Compatriotes haïtiens moi yo. Nous pas veut cacher maladie pays a. Maladie non. Faut que nous reconnaître qui pas porter le bien même et nous faire une façon qu'on nous chercher remède pour lui. Dans l'état lié, il faut que nous cherchions plus bon médecin feuille et plus bon médecin moderne pour nous sauver. Mais bonne connaissance, ça pas suffit. Il faut que nous bon tout dans volonté nous et faut que nous bon tout dans honnêteté nous. C'est vrai, depuis le créé, le pays a toujours un bouleversement politique. T'es toujours un pif fort monde dans la population, yo t'ai mis dehors même là yo dans pays. Groupe monde qui pi a souffri généralement c'est paysan yo. Toujours un problème social. Mais journée jodia après plus passé 200 ans société noire gaillé net. Moun pa vivre dans la paix. Moun pa ka circuler libre. Ti moun pa ka à l'école. Machan pa ka vendre produit yo pour prendre soin famille. Bandi a marché touye moun lè yo vle, jan yo vle. Ça fait moun pa ka vivre dans pays a. Seul l'espoir jeune nou yo, c'est quitter pays a pour parti. Même lè yo konnen l'autre bord pa douce, pays étranger pa paradis. Yo di y a ka jwenn travay et puis vivre tranquille. Ça yo plus chèn social là. Moi comprendre et moi entendre. C'est pour ça moi là avec nous jodi a. Mes chers compatriotes, aujourd'hui c'est avec une profonde humilité et une grande responsabilité
que je me tiens devant vous en tant que le nouveau Premier ministre de la République d'Haïti. En ce moment crucial de notre histoire de peuple, alors que nous traversons une crise sanitaire, humanitaire et de gouvernance sans précédent, je ressens le poids de la tâche. En cette heure solennelle d'intenses émotions et de dépassements, je tiens à saluer le sens hautement patriotique du Conseil présidentiel. Ils ont transcendé les clivages et les sensibilités politiques, ainsi que les intérêts partisans, pour m'accorder leur confiance sur des questions vitales qui tiennent tant à cœur la nation souffrante et impatiente. Je tiens aussi à remercier le Premier ministre sortant, M. Patrick Boisvert. Traversant avec un courage exceptionnel l'épouvante solitude de la primature, il a dominé le jeu politicien et la rumeur des fractions pour poser son empreinte, celle d'un homme d'État serein et sensible, voué au service d'autrui et à la République. C'est avec le sentiment du devoir magistralement accompli au bénéfice des populations haïtiennes qu'il rentre aujourd'hui sur la tente pour un repos bien mérité. Mes chers compatriotes, Haïti est confronté à des défis majeurs. Les violences et l'insécurité paralysent notre quotidien. Les crises humanitaires exacerbent les souffrances de nos compatriotes les plus vulnérables. Et l'instabilité politique sape les fondations mêmes de notre société. En reconnaissant ces réalités douloureuses, nous devons trouver en nous la force et la détermination nécessaires pour les surmonter. Comme le disait le philosophe grec Héraclite, le caractère de l'homme est son destin. Nous devons faire preuve de courage et de détermination, car c'est dans ces moments de crise que se révèle le véritable caractère d'une nation. Je crois fermement qu'ensemble, nous pouvons transformer ces défis en opportunités pour rebâtir notre pays sur des bases plus solides et plus justes. Je m'engage donc devant vous, chers concitoyens, à servir notre nation avec intégrité, transparence et dévouement. Mon gouvernement travaillera sans relâche pour améliorer les conditions de vie de chaque Haïtien et de chaque Haïtienne, pour bâtir un avenir plus sûr et plus prospère, et pour rétablir la dignité de notre peuple. Mesdames, Messieurs les ministres et secrétaires d'État, par l'entremise du Conseil présidentiel de transition, nous avons signé un contrat collectif avec le peuple haïtien pour matérialiser l'accord du 3 avril 2024 qui prévoit un ensemble de grands chantiers. La sécurité publique et nationale, le redressement économique, la réhabilitation des infrastructures, la sécurité alimentaire et sanitaire, la conférence nationale et la question constitutionnelle, l'état de droit et la justice, ainsi que les élections pour le renouvellement du personnel politique. Ce paradigme du changement irriguera toutes les artères de l'action gouvernementale. Il inspirera et illustrera notre posture et tous les actes que nous serons appelés à poser à la tête du gouvernement. Je vous demande donc, mesdames, messieurs les ministres, de participer vaillamment à cet effort commun pour promouvoir et alimenter cette culture du changement dans les sphères d'activité relevant de vos compétences respectives. Écoutez un bout dans la déclaration pour le ministre PIA Gary Conille. C'était hier, dans l'occasion de cérémonie investiture et installation nouveau gouvernement. Président conseil présidentiel, M. Edgar Leblanc, fils Soubopal, a profité pour bailler directive avec le nouveau gouvernement. Dans le discours, Edgar Leblanc rappelé mission gouvernement, c'est travail, dans la tête coulée avec le conseil présidentiel, là, dans l'idée pour y résoudre la crise toute qualité qui a ravagé le pays depuis quelques temps. Président CPA Kwe, gouvernement doit travailler tout pour établir sécurité, relancer activité économique et sociale dans le pays, sans pas oublier gang exam yo, qui fin dépatcha. Edgar Leblanc fils insisté sur réforme et renforcement force sécurité nationale yo, sécurité sur route, etc. Préparation conférence nationale, renforcement institution l'État, dans bataille contre corruption et impunité. Nous invitons à écouter un extrait dans le discours Edgar Leblanc, fils président, conseil présidentiel, là, toujours dans le micro collaborateur, nous, Peterson Luxama et Claire Gédanier. J'éprouve un réel plaisir à procéder ce matin, au nom du conseil présidentiel de transition, à l'installation, à l'investiture du gouvernement dirigé par le Premier ministre Gary Conille, conformément à l'accord du 3 avril 2024. La mission de ce gouvernement
et de travailler conjointement avec le Conseil présidentiel à juguler pleinement la crise multidimensionnelle, c'est-à-dire la crise politique, sécuritaire, humanitaire, qui s'est aggravée depuis l'assassinat du président de la République le 7 juillet 2021. Monsieur le Premier ministre, il revient à votre gouvernement de rétablir la sécurité, relancer les activités économiques et sociales dans ce pays ravagé par la violence des gangs armés, réveiller les consciences et mobiliser toutes les énergies afin d'ouvrir la voie à l'organisation d'élections libres, démocratiques, crédibles, transparentes, dont les résultats seront acceptés par tous et toutes. Pour y arriver, vous mettrez en application la feuille de route de la transition prévue par l'article 45 de l'accord du 3 avril 2024 pour une transition pacifique et ordonnée. Qu'il me soit permis de mettre l'accent sur les trois points suivants de ce tableau de bord appelé à guider les actions du gouvernement pendant la période de la transition. Il s'agit de la réforme et le renforcement des forces nationales de sécurité, la préparation de la conférence nationale, le renforcement des institutions étatiques de lutte contre la corruption et l'impunité. La réforme et le renforcement des institutions nationales de sécurité sont indispensables à la survie de notre nation. Il vous faudra définir une stratégie de sécurité nationale qui passera par les objectifs à atteindre, les moyens à mettre en œuvre et les ressources à mobiliser par l'État pour assurer la sécurité du territoire, protéger la population haïtienne et ses intérêts vitaux. La police nationale d'Haïti, les forces armées d'Haïti ont pu tenir en respect les gangs armés, freiner leur avancée et les empêcher ainsi de prendre contrôle de la capitale. Je salue au nom du Conseil présidentiel le déploiement des forces armées d'Haïti dans les aires protégées de l'aéroport international Toussaint Louverture. De même, les agents de l'unité de sécurité générale du Palais national ont assuré avec vaillance la protection du périmètre rapproché du Palais national. Il importe de reconnaître l'impact très positif de la création et du déploiement de l'unité tactique anti-gang UTAG sur l'arrogance des gangs armés dans l'aire métropolitaine de Port-au-Prince. Sans vous demander de vous lever, je me courbe et je vous invite tous à observer une minute de profonde réflexion en mémoire des agents de l'UTAG assassinés ce dimanche à Solino au bas de Delma. Edgar Leblanc fils li fait office de président conseil présidentiel transition. C'est pas tant seulement nouveau chef qui te prend la parole, gagné premier ministre à l'intérim Michel Patrick Boisvert qui lui-même te prend la parole dans circonstance là. Michel Patrick Boisvert bon côté pas le fait connaître, c'était un honneur pour lui pour te servir pays pendant tant ça dans niveau ça yo. Michel Patrick Boisvert dit il était quoi nouveau chef gouvernement docteur Gary Conin grâce à compétence li ak leadership li pour le travail pour mener pays a dans bonne direction. En écouter yon bout dans déclaration Michel Patrick Boisvert. Marque un moment très important de cette transition qui doit être celui du renouveau pour notre chère nation. C'est avec un profond sens du devoir et de responsabilité que je me tiens devant vous, prêt à passer le flambeau du leadership au docteur Gary Conin, premier ministre de cette transition. En tant que premier ministre intérimaire, j'ai eu le privilège de servir notre pays durant une très courte période de son histoire. Je suis reconnaissant envers le Conseil présidentiel pour le soutien inestimable que j'ai reçu de sa part. Je dis également un grand merci à mes collègues du gouvernement intérimaire. Ces remerciements s'étendent aussi aux partenaires internationaux d'Haïti. Ensemble, nous avons travaillé sans relâche pour assurer la pérennité de la gestion de la chose publique. Mesdames, Messieurs, je suis convaincu que le Premier ministre, le docteur Gary Conin, de par sa grande expérience et son leadership, conduira le pays
avec son équipe gouvernementale vers un avenir meilleur pour le peuple haïtien. Monsieur le Premier ministre, votre vision, votre engagement sont autant d'atouts dont vous disposez pour aider à surmonter les nombreux défis auxquels fait face le pays. La nation compte sur votre capacité à mobiliser les ressources tant domestiques qu'internationales indispensables pour s'attaquer aux difficultés et à la crise multidimensionnelle afin d'ouvrir la voie à une Haïti plus forte et plus prospère. Je tiens à vous assurer de la pleine collaboration de l'équipe gouvernementale sortante, surtout dans le cadre de la passation des dossiers.